إذا نقول أنه دائما مع الآراء ودائما مع المقترحات. فيه كاتب يعني ممكن نقول أنه كاتب موهوب، لأننا طلعنا على الكتب نتاعه في ميدان الكفالة وفي ميدان الطفولة المحرومة. الأستاذ محمد شريف زرقين من بين الكتاب ومن بين نقول الناشطين في مجال حماية حقوق الطفولة المحرومة. ممكن فيه بعض الاقتراحات أو فيه مداخلة ولو بعجالة نظرا للوقت يفيدنا بالتجربة نتاعو. في الحقيقة لحد الآن عنده كتابين على ما أظن، وهو قيد يعني الثالث قيد الطبع. إذا الأستاذ أو السيد زرقين تفضل. السلام عليكم. Merci beaucoup. تفضل مرحبا بك. وممكن انه السيد ممكن انه السيد زرقين راح يفارقنا لانه عنده الفول تاع الطائره، ولكن احنا ابناء قسنطينه وابناء جامعه الامير عبد القادر هم الاصول. ومباشره بعد السيد زرقين ساعطيك الكلمه. مرحبا، تفضل السيد زرقين. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le recteur, Dr Abdallah Boukhelkhel, à qui je rends hommage à chaque intervention ici à Alger ou à Oran ou ailleurs, car il me soutient depuis le début de mon action, incarnant cette cause de l'enfance abandonnée et d'une manière générale l'enfance algérienne de ma patrie. Moi, je vais aller très rapidement sur le terrain de la réalité, si vous me le permettez. Je ne vais pas passer par 50 chemins, je ne suis pas juriste, je ne suis pas exégète, je suis un concerné de surcroît humaniste et combattant et militant de cette cause de l'enfance de ma patrie depuis quelques années. ونحن مطالبين بتطبيق القانون لابد من اللغة العربية، ولكن ما دام أنت ضيفنا فأنت ضيفنا فنحن نتشرف باللغة الفرنسية. تفضل. Mesdames et messieurs, chères sœurs, chers frères, depuis de longues années, je milite activement dans le monde de l'innocence, celui de l'enfance d'une manière générale, de mon pays, ma patrie, ma nation. Ma démarche consiste à sensibiliser cette société que je ne culpabilise pas, car elle est dans son ignorance, profondément ancrée dans des mécanismes hérités de différentes civilisations passées par là. Après de longues recherches, j'ai modestement pris le chemin des investigations que j'ai menées depuis 5 ans, mes périples, ma propre expérience en tant que pupille de l'État, je ferme la parenthèse, et aujourd'hui vous avez l'homme aguerri devant vous, déculpabilisé, sans aucun complexe, et qui affronte cette société un peu hostile pour essayer de tirer vers le haut notre patrie. Merci. Et de tirer surtout vers le haut l'enfance qui est l'avenir de toute la nation algérienne. J'en tremble quand j'en parle. Les générations de demain, c'est l'enfance d'aujourd'hui. À cet effet, je vous suggère, solennellement, pour l'enfance de ma patrie, le déclenchement d'un véritable plan d'urgence à l'endroit de l'enfant futur citoyen de demain. Il est grand temps de rassembler, structurer et renforcer les textes dans un code de l'enfance. Et par voie de conséquence, ériger un tribunal pour enfants, protégeant cet enfant et bien entendu lui imposant ses devoirs dans la société. Il est impérativement urgent, et là c'est très sensible, très urgent même, d'introduire l'éducation sexuelle à nos adolescents. Il n'y a qu'à aller voir sur le terrain. Je ferme la parenthèse. Je me permets d'ajouter, on a fait énormément de démarches, Maître Fatema Boumbrah et moi. La majorité des filles mères, je l'ai dit et redit depuis 4-5 années,
entre 12, 13 et 14 ans. C'est pour ça que j'interpelle et j'appelle à une éducation sexuelle pour essayer de passer à une prévention. De séparer les enfants privés de famille des enfants délinquants très souvent placés dans les mêmes centres. De mettre en place des mécanismes d'insertion appropriés pour chaque catégorie de la population vulnérable. De créer davantage de structures d'accueil spécialisées. De réformer les services sociaux des collectivités locales vides de sens actuellement. De promouvoir la profession de l'assistante sociale, renforcer son rôle et en former davantage. Et d'introduire la Convention des droits de l'enfant dans les programmes scolaires et universitaires. En ce qui concerne le dossier extrêmement sensible de l'enfance abandonnée, j'aime pas dire né sous X, j'aime pas dire enfant illégitime. L'acte est illégitime, pas l'enfant. Et ce dossier, à mon sens, n'appartient à aucune tendance, n'appartient à aucun mouvement. C'est la propriété et la chasse gardée de l'État algérien. C'est à l'État. Et c'est au chef de l'État, incontestablement tuteur de cette catégorie de la population et de ses enfants, de se pencher définitivement sur ce fléau et ce problème. En ce qui concerne le drame des filles mères et de leurs enfants, arrachés au sein maternel par la bêtise humaine depuis la nuit des temps, et de surcroît lourdement marginalisés et brisés dans leur chair, en ma qualité de citoyen à part entière, soucieux de l'avenir des générations futures, je réitère mes suggestions avec l'aide de Dieu, exalté soit-il, et sollicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'intervenir afin de mettre un terme définitif à la torture de cette catégorie de la population algérienne à part entière, j'insiste là-dessus. Fruit d'une longue traversée sur les braises de l'indifférence, je suggère l'abolition des naissances sous X, prohibées par l'islam, héritage désastreux de l'empire colonial. Je suggère l'organisation de l'abandon en tenant compte de l'état psychologique de la mère biologique tout en l'incitant humainement à garder son bébé. J'ajouterai, je ne suis vraiment d'encourager le statut de mère célibataire et le statut de famille monoparentale comme certains le revendiquent. Je suggère la création d'une allocation de subsistance afin d'encourager la mère incontestablement irremplaçable à garder son enfant tel que souhaité par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le très long hadith d'Al-Ghamidiyya. On en a parlé l'année dernière ici même. L'éradication de la discrimination entre l'enfant issu d'une union légale et l'enfant privé de famille. Je suggère l'établissement de la filiation de l'enfant né hors mariage dont le géniteur est identifié par le recours au test ADN tel qu'exhorté par le divin dans le verset 5 de Sourate Al-Ahzab. À ce propos, je voudrais ajouter, et Maître Fatema Bembra est là pour le confirmer, que lors de notre conférence « La place de l'enfant en islam » organisée ici même, le HCI s'est prononcé en la personne de l'éminent docteur Mohamed Chifgar à travers la presse, « Watan of Shorok » et a validé cette suggestion. Et on s'en était félicité à l'époque. Cette mesure rendra non seulement justice à l'enfant, mais imposera aux détracteurs de réfléchir à deux fois avant de commettre l'acte illégitime et de s'évanouir dans la nature. C'est une forme de prévention quelque part. Et ça permettra peut-être d'imposer une réflexion profonde. En ce qui concerne la kafala, et je vais conclure, maître. En ce qui concerne la kafala, il y a énormément de choses à dire, j'ai fait une synthèse très courte, que je plaide en ce moment. Alors, en ce qui concerne la kafala et le décret de 1992, portant concordance de nom, je répète, concordance de nom, vous êtes très bien placé pour me comprendre. Parce qu'ailleurs, ils ne comprennent pas ça. Ils donnent directement le nom du kafil à l'enfant, et on les retrouve inscrits sur leur livret de famille. Et donc, c'est une dérive. Et le fitwa de Cheikh Hamdan, Rabbi Rahmou, elle était claire et limpide. J'en ai pris connaissance avec le président du HCI, Cheikh Bouhamran, qui me l'a montré l'année dernière. Elle ne dit en aucun cas de donner le nom de l'adoptant à l'enfant. C'est un mouvement que je dénonce avec vigueur, qui a un peu dévié de cette recommandation. Et qui sont en train de nous emmener vers l'adoption. Donc, portant concordance de nom, j'ai amèrement constaté que quelques associations plaident, j'ai dit quelques associations, pas toutes, quelques associations, surtout sur la place d'Alger, et j'ai été à leur rencontre, plaident et revendiquent avec le soutien de certaines ONG internationales installées ici.
très douteuse, je termine, l'octroi du nom du kafil et l'enfant et son insertion sur leur livret de famille. Au-delà du caractère usurpateur de l'histoire de l'enfant innocent et inconscient, je condamne ces agissements en tant que tel avec vigueur en ma qualité de musulman et attire votre attention sur le danger de ces faits qui nous transportent vers l'adoption plénière strictement prohibée par l'islam et par les lois de la République. La kafala doit être réaménagée, renforcée et mise en valeur par des mécanismes humainement érigés en conformité avec notre appartenance et de surcroît vulgarisée, tenant compte en priorité absolue de l'intérêt suprême de l'enfant. En ce qui concerne l'épineux contexte sensible de l'héritage, parce que là est toute la question, l'héritage, il est de notre devoir à tous, pardonnez-moi, j'ai terminé. À tous. Non, je termine s'il vous plaît. Mais j'ai un message important, je suis à la fin. Rabbi Jazik. Rabbi Jazik. À ce sujet, et modestement, je me permets de vous suggérer de pousser la réflexion, vous autres exégètes et scientifiques et juristes, pour trouver une solution à cette épineuse question d'héritage qui met en porte-à-faux l'enfant et qui demeure éternellement victime de la bêtise humaine. Je le dis ici. Et pour conclure, je pense que le dossier de l'enfance n'a rien à faire au sein de la solidarité nationale. L'enfant n'est pas une catastrophe naturelle et qu'il serait plus bénéfique pour toute la nation algérienne de créer une institution à part entière, consacrée exclusivement à la protection de l'enfance sous la tutelle de la présidence de la République, mettant en œuvre une bonne fois pour toutes avec toutes les institutions concernées et les forces vives, une profonde réforme novatrice et édifiante pour une Algérie puissante par sa jeunesse de demain. Adam Akash. Shukran, Sayyid Zig. ربي يجازيك نشاط ويعني حيوية تعكس مدى اهتمامك بالموضوع كل التوصيات التي قمت بتقديمها سيتم أخذها بعين الاعتبار في لجنة التوصيات هيئة الدفاع